Suite à la journée de repos, on a eu deux chutes et des problèmes gastriques qui peuvent être la conséquence de la fatigue accumulée, mais aussi d'un relâchement du corps. Bon, ça va Claire, tu te sens comment aujourd'hui? Un peu dur, mais ça va quand même mieux qu'hier. Avec l'intoxication alimentaire, là, j'étais vraiment, vraiment dans le dur. Et hier, moi, j'avais vraiment plus de jus. Heureusement que vous étiez là, d'ailleurs, parce que sinon, j'arrivais pas au bout, quoi. Les organismes commencent à être bien fatigués. On va plutôt parler même de fatigue mentale, de lassitude. Et donc voilà, il faut arriver à se remobiliser, à retrouver une motivation, qu'elle soit très soudée. Et le maître mot, ça sera de la cohésion pour que cette dernière semaine se passe bien. Ça va, t'appréhendes pas trop la journée? Si, j'appréhende parce que je sais pas du tout comment le corps va réagir suite à la journée d'hier où je me suis pas alimentée, où j'ai très peu bu. Donc je manque un peu d'énergie et il y a quand même pas mal de dénivelé, il y a des longs cols. Donc ouais, là je t'avoue que je suis pas hyper sereine.